Hello, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de la nouvelle carte vidéo. Mes amis, bienvenue sur Chanel Julien Cuisine, une fois encore. Je dis à tout profiter, dis merci à tout abonné qui toujours là, qui a supporté nous. Et m'a dit merci à tout le monde qui va regarder vidéo ça et qui pourra acheter et qui pas qui monde qui pourra abonner pour l'abonner avec Chanel ça pour carrière de Chanel ça avancer. M'a dit nous tout merci. Je dis à Julien pour une vidéo pour nous. La vidéo ça c'est Wololoy. Recette ça nous porte aujourd'hui en recette ça sont recette américain qui relait seafood ball. Non même haïtien nous relait un plat fruit de mer. Ça ouais là nous besoin tout ça là pour nous faire plat fruit de mer ça. Comme nous déjà capable pour ça gain là, ça c'est crabe. Nous ka ouais. C'est crabe, ayo le king crab. Tout ça c'est crabe nous gain là. Qui déjà gantan laver. Yo gantan pare. OK? On met ça sur côté. Nous gain cribichon là, meni. Yo gantan laver. Omar, mais yo, gata lave, yo gata pare. Je mets ça sur côté. OK. Pour me faire seafood ball, ça nous besoin. Nous besoin pommes de terre. Comme on capable, pommes de terre. Sausage. C'est gros sausage, ça, américain. Mettez un seafood ball. Non? Nous avons sausage. Nous avons maï. Nous avons 6 maï. Ça, c'est l'ail qui est en blender. Onion. Violette. On va couper les et puis nous allons montrer que ça nous va faire ensemble avec. Donc, on céleri, céleri, ça nous va mettre bouilli avec fruits de mer, yo. Nous avons persil, petit gâteau coupé. N'oubliez pas, recette ça, il prend en pile assaisonnement, en pile épices. C'est épices qui fait recette ça. En pile épices. So, nous avons un pepper. Nous avons un petit lemon pepper. Ça va chercher le flavor pour nous mettre le flavor. Pour nous avoir le goût, la bouillie, nous mettons un petit bagage là-dedans. Nous avons poivre. Là, nous avons un black hand seasoning. That's a Cajun seasoning. Il y a déjà un sel là-dedans, comme nous avons. Il y a un sel, il y a un thyme. Thyme dans ces persil, il y a un paprika. Il y a un onion, il y a un garlic, il y a un spice, il y a un pepper, il y a tout ça qui est là-dedans déjà. On met ça sur le côté. Nous avons un cayenne pepper. Bon, mais ça qui est pour seafood là, exactement. Old Bay seasoning. That's for seafood. C'est lui-même nous avons pour. Comme seasoning. Et puis, nous gagnons un petit hot sauce. N'oubliez pas, recette ça, son recette épice et puis piqué. Vraiment, vraiment piqué. Si vous parlez même piment, pas campé là. Ça, c'est mon petit adobo. Et nous gagnons paprika. Seafood là, gagnons couleur, les rouges, c'est paprika. Qui fait le rouge là. Et puis nous gagnons un petit magi. Nous parlons pour un petit non magi ça, pour de magi. Et puis nous gagnons basil, qui c'est basilic. Nous mettons bouilli dans l'eau, nous parlons mettre fruits de mer au bouilli. Nous gagnons œufs. Je n'en mettons. Nous gagnons 6 œufs. Nous avons un beurre. Nous ne pouvons pas faire avec l'huile, c'est beurre.
Je fais fruit de mer avec beurre et pas mettre l'huile. Et puis nous avons un citron. Pour qu'on y a là, nous allons commencer. Bon, premier ça n'a fait, n'a coupé zonyon. Hein? Ouais ça là, la pédéo avec zonyon coupé lui, les aider. Il y a d'abord un courage. Manquez courage, mes amis. Bien facile. Quand je change, je vais faire la vie facile pour nous. Bien facile. Ok. Ça, c'est zonyon. Hein? Bout de sa terrete. Je vais faire ça pour toi. Ça va un problème. Ok. Ça, c'est zonyon. Hein? Zonyon, je vais faire ça. Mettre ça sous côté. Bon, qu'on y a là. Nous allons couper maïs. Maïo, moi. N'a fait chaque fait 3 morceaux. N'a fait chaque maïo fait 3 morceaux. An ouè. Là c'est premier. OK. On dépense maïo trop petit pour faire 3 morceaux, bon qui fait 3 morceaux. Et des blousailles. Bon, maïs a fini coupé. Ce qu'on a là, nous allons préparer le sausage. On va mettre maïs sur le côté. Nous allons couper le sausage. Couper des trucs comme ça à jeter. On va couper le sausage là, comme ça. Moi-même, j'ai un gros plat, je vais le faire parce que la famille est grande. On a fait même bien. Nous faisons couper le sausage dans le cougna là. Si on a mis le sausage dans ce côté. Quand y a là, nous pouvons passer dans le deuxième step. Quand y a là, nous dans le deuxième étape. Nous sommes capables de manger un cap bouillie sous côté là. Manger un cap bouillie sous côté là. On quitte le bouillie là et puis pendant ça, m'a préparé. On va préparer ici un fruit de mer là. Donc déjà pour fondre, on fait doux. Parce que nous avons des boules boulées. Donc, on y a là. On va mettre là. On va prendre. On va tenir là. Là. Le fruit a fini par mettre n'a mettre les oignons, on va tenir les oignons, on va couper hein. Et puis, nous allons mettre le seasoning. Pour le seasoning,
Nous gagne paprika nous à mettre moitié là-dedans. Ça me dit que tu as dit nous toute saison n'yo déjà. Si vous n'avez pas ajouté, je n'ai pas ajouté. Je n'ai pas besoin de dire non encore. Je vais juste ajouter. Ou céleri en même. Je vais juste racher le céleri. Hein? Juste pour goût. Juste pour que bal plus flavor. Bal plus bon goût. Ajouter céleri là-dedans. OK. Et puis qu'on y a là, on va continuer à ajouter seasoning là-dedans. On va ajouter un petit de l'eau. Et puis on va continuer à mettre seasoning là-dedans. Les mêmes pepper, on va les enlever. Un petit cayenne pepper. Ça a comme moi t'ai dit non déjà. Qui s'allie. On a mis un petit. Ouh, ça c'est bon. Ça c'est bon en pile. Waouh. Ok. On a mis un petit magui. De Maggi. OK. OK, on a mis un petit poivre. Et puis on a pris le reste là. Voilà. Mettez son petit feu bien mal, un petit feu doux pour ne pas bouler, ou elle va coller dans la chaudière. Ce qu'on a là, alors on va le faire, on va le mettre de l'eau là-dedans. Mettons un bon petit coup de l'eau parce qu'il y a un pile. Un pile. Un pile. Fruits de mer. On va mettre là-dedans. Et puis il y a maïs, pommes de terre. Tout ça, il va là-dedans. Bon, qu'on y a là. Very good. Ouais, j'ai un cap bouilli. Qu'on y a pas ajouté un petit au base. Tu sais que tu chez net. OK. That's enough. On tire adobo. Et puis, on va mettre persil.
Laranja. Vou atirar na peça. Vamos lá, nós vamos botar ele para nós. Sal, besoin. Se ele manquer sal, se ele manquer acid, para nós acontecer para nós fazer. Libo, maman, piment, mets un petit calcel tout petit. Bon, n'a pas quitté les bouillies pour nous qu'elle ajoute maïs, pommes de terre là-dedans. On a couvert le pour la bouillie. Bon, 7 minutes l'arrivée. Donc, on y a là, nous allons ajouter sur des merlots. Les Américains ont fait, mes amis, ça c'est haïtien. Les Américains ont fait, les Américains ont juste mis tout le bagage bouillie dans de l'eau et puis ils ont fait en sauce et puis ils ont lagué sous l'eau et puis ils ont fini. Non, mais haïtien nous connaît. Haïtien nous même a fait nous toujours compliqué. So. Et vous savez, nous haïtien. Parce que nous toujours compliqué. Ok. Parce que au mal, on n'a pas ajouté la cougne. Hein? On n'a pas ajouté au mal. Hein? On n'a pas ajouté. Oui, biche qui c'est chouette, hein, pas non, il est crevé. On va ajouter toute bagaille net et puis après ça, on va faire, on va mettre au bouilli pour un lot. 7 minutes encore, 5 à 7 minutes. Ça ne va pas prendre temps pour le cuire et puis pas oublier de mettre en bas fou encore. So, on laisse 7 minutes encore. Supposé bon. J'aime là. Chose à gueule. Bagayou. Bagayou, red. On va vendre ça, Captain Seafood, ça. Il va le joindre. Mami, je dépense bon là. Je vais un bon pour me démettre. Mais bon là. Je trouve bon là pour au fond. Je ne vais pas faire assez. Je vais montrer non. Je ne vais pas faire assez. Je vais mettre le bon. Mais depuis la bouillie de l'eau va monter, la tout à pour sauce là. Sept minutes disposé bon. Bon qu'on y a là, nous pouvons passer notre troisième étape. Là. Troisième étape là, c'est sauce beurre, on a préparé pour nous calager sur le seafood dans l'elfine cuite. On a besoin de deux barres de beurre. Avec ces barres, ça au petit. C'est des gros barres, on a mis un ou bien un demi, comme ça au petit. On a mis deux. Cette minute l'arrivée pour nous là, on a fait tout, mettez nos cuvettes.
Bon, mes amis, comme je dis un peu trop petit, on vient reste sous les mains là. On va mettre ça au bouilli. Et puis avec sausage là. Et puis, je quitte les pommes de terre. Hein? Prenez les pommes de terre, c'est une pomme de terre. Tout en cas, je quitte, je vais couper les pommes de terre petit. Je vais prendre plus de temps pour les cuire. Donc, pendant ça, je vais quitter les pommes de terre pour le faire un petit bouillon en plus. Donc, on va couvrir. Et puis, quand on y a là, nous allons avancer pour nous faire la sauce là. Bien déjà. Bien déjà fond, la mettre là non. Ça c'est reste là qui te rete là. Ça les gars chita trop. Ce qu'il y a là n'a pas ajouté oignon. Qui te joue un petit fruit pour une minute, deux minutes. Et puis après ça, ensuite, on va ajouter tout le saisonné. Bon, pour nous là, nous allons ajouter saisonné, nous allons ajouter épices. Baisse la même nous déjà un bon petit coup. On va faire un petit sauce, un petit de l'eau dans l'eau qui bouille, qui est meilleur pour nous ajouter là-dedans. On va pas boire. Hop. Désolé. Parfait, merci. Donc, on y a là. Nous pouvons finir à ajouter le reste. Ça nous est pour ajouter. On a besoin de pile, on a juste ajouté. Bon, on a besoin de petit magui pour nous mettre là-dedans. Mettre un petit magui. On va mettre un petit poivre, petit reste poivre qui était là. T'as oublié non d'eau, ça est chaud. Si mon balade, mes amis, si mon balade. Mais persil. On a pris des petits restes spéciaux, elle finit dans le plateau pour nous mettre sous lui. Bon, on va mettre mais. Ouais. Si vous avez un petit acide là-dedans, je vais couper un citron pour me mettre un petit acide. Citron
Lada. On met un petit acide citron. Mon saucisson. Moi, mais si vous oubliez, vous prenez un acide là-dedans. Ok. Ouh, mes amis. Hey, game bagay. Game bagay, game bagay, game bagay. J'ai besoin de l'eau en plus. De l'eau bouillon qui te bouille si fou de là. Fouille de mer là. Hey, gen bagay. Ouh, qui est-ce qui parle pour manger ensemble avec moi? Fais-moi connaître. Mon femme gros ventre là. Même d'ailleurs, mais prendre sous caméra même. Ouais, comment la pas le manger si fou de ça. Bon, nous allons tirer le reste. Fruits de mer, à toutes pommes de terre. Et puis, sausage. Nous mettons dans la cuvette là. Après ça, nous allons ranger dans le plateau. Ce qu'on a là, nous allons mettre un petit persil. Soli. Et puis, vous mettez là ma fou. Ouh! Je dis à moi manger. Je mets là ma fou. Pour 15 minutes. Mes amis, game bagay. Bini. Mais final. Fruit de mer, hein? Plateau fruit de mer, là. Mais final, là. Nous capables, ouais. Et t'as ma bouteille, la petite. Ma bouteille s'arrête. Bon. Mes amis, j'ai fait vidéo à ça. M'gagite à la malin joy, non? On va manger, mais mon coup de vidéo m'a fait sous forme gros vote là. Qui peut caméra, pas les caméras prendre? Pour nous donner la bonne joie. C'est fou de là. Mes amis, pas fâché avec nous. Côté miam, tout loin, je vais nous. Si je vais nous, je vais nous. Pas fâché avec nous. So, enjoy la vidéo ensemble avec nous. C'est fait vidéo, hein? Tout le monde qui peut regarder, s'il vous plaît, partagez la vidéo ça pour l'autre monde capable de et ma content. Ma campé là, n'a pas pris l'autre vidéo. À la prochaine. Bye!